Nuit longue et agitée à la veille du 16 décembre, premier anniversaire de l'élection d'Aristide. Port-au-Prince appartient aux militaires et aux macoutes. Ils tirent toute la nuit pour effrayer. C'est le moment des mauvais coups, tabassage et disparition. Le matin, on compte les victimes dans ces bidonvilles de Port-au-Prince, acquis au président Aristide. 4 personnes tabassées. Ça s'est passé ici, nous dit une voisine hésitante. La fille de l'une des victimes n'ose pas nous parler. Qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne sais pas. Il va pas. Qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qui est entré, nous pas connaît? Hier soir, comme si au cours de 9h du soir, il y a une équipe de monde qui paraît croisé quand même. Avec Wash, il a tiré. Et puis, là, il dit, si je ne suis pas sorti, il a plus mal pour moi. Je suis sorti. Quand il est sorti, il n'y a pas bon temps pour me mettre dessus. Il a pris ses coups, il a commencé à mal tirer. Et puis, moi, je me suis sauvé de justesse, je me suis vidé comme là. Après, je me suis vidé comme je suis venu fouiller car elle a toute nuit. J'ai tiré dehors, monsieur. Je me suis dit, bon, c'est fini, il y a un café qui a déjà action. Je suis sorti, je me suis sorti mal car on voisinage. Il y a pour lui, pour le monde, comme si le monde savait que la paix, la force, pour vivre là. Ce sont des policiers, votre avis? Des macoutes? Non, il y a aussi. Macoutis. Macout, un mot tabou qui peut coûter très cher. Ici, on risque sa vie pour un simple refus. Des centaines de milliers d'habitants de ces bidonvilles ont déjà fui, ce qui est perçu comme un retour aux années les plus noires du duvaliérisme. Ils ont fui vers la campagne, vers Saint-Domingue ou vers la mer, avec la quasi-certitude d'être interceptés par les gardes-côtes américains avant d'atteindre Miami. Les personnes font beaucoup le parallèle au début des années 60. Cette terreur, cette incapacité de même de parler à 2 ou 3 personnes. Dans